Et salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. On va voir comment faire ce sort d'avion bombardier que vous venez de voir à l'instant. Donc pour ça, vous aurez besoin de 10 blocs de slim, une barrière, une TNT, un gorgon de corail de feu morte, un rail détecteur, un wagonnet et 3 pistons collants, 3 observateurs et 4 blocs. Pour moi ce sera de la terre stérile, mais ça peut être absolument ce que vous voulez, ce sera juste des blocs qui ne sont pas permanents. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais le faire en créatif, mais vous pouvez le faire en survie. Pourquoi je le ferai en créatif? Parce que tout simplement, ce sera plus simple pour vous expliquer comment faire, parce que ça va se faire un petit peu en hauteur. Donc premièrement, vous avez à monter un petit peu, juste histoire que quand la TNT tombe, ça n'écrase pas, ça n'explose pas pardon, votre véhicule, votre avion. Donc pour commencer, vous avez un bloc de slim comme cela, hop, un autre, voilà, vous pouvez faire un triangle comme ça. Quand c'est fait, vous placez une barrière, puis une TNT, et vous mettez le corail juste à côté. Voilà, ça ressemble à ça pour le moment. Ensuite, vous passez sur le débloc de slim, et vous refaites une sorte de triangle comme juste avant. Voilà. Vous mettez face à la machine, et vous mettez votre rail, puis votre wagonnet. Votre wagonnet, ça sert uniquement si vous souhaitez vous mettre dessus quand la machine avancera. Donc voilà. Ensuite, vous allez mettre un piston collant comme ceci, collé au bloc de slim, puis vous allez vous mettre derrière comme cela, vous allez placer votre observateur. Voilà, vous pouvez voir que la machine pour le moment fonctionne très bien. Quand c'est fait, vous pétez celui à l'arrière et vous vérifiez bien qu'il y a bien un espace à cet endroit là. S'il n'y en a pas, vous remettez un observateur comme ceci. Et vous cassez et vous attendez de voir s'il y a un trou ou pas, et dès qu'il y en a un, c'est bon. Quand il y a bien un espace là, vous mettez votre deux blocs de slim comme ceci et vous allez mettre un piston collant comme cela. Une fois ça fait, vous retournez derrière, vous mettez des observateurs comme j'ai fait juste avant. Hop, un qui est celui-là fait face au piston collant, puis vous cassez ici. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez aller mettre deux un bloc de slim devant et vous allez vous mettre de ce côté là et placer un piston collant comme ceci. Voilà, la chose très importante, vous prenez vos blocs que vous allez casser et vous ne prenez pas des observateurs, vous en mettez deux comme ça, hop, vous pétez celui du milieu et vous mettez à ce moment là l'observateur dans ce sens là. Une fois que ça est fait, vous avez fini votre machine, elle est prête, vous n'avez plus qu'à casser ce bloc de terre. Et c'est parti, donc vous pouvez voir que la machine avance, c'est un avion bombardier, avec un seul bloc de TNT, elle peut en lancer autant que vous en souhaitez. Et si vous voulez vous asseoir, bon, il ne faut pas souffler comme ça, visez bien le wagonnet, et vous pouvez donc vous asseoir dans votre machine pendant qu'elle avance et qu'elle bombarde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous souhaite une agréable journée, et j'espère qu'il vous sera utile. Ciao l'équipe !